avons identifié 50 idées les plus votées par le personnel de Pôle Santé Travail. Parmi ces idées, nous avons eu la plantation de nos espaces verts. Nous avons décidé de planter des arbres pour rendre nos centres plus accueillants. Nous pensons aussi à la nature et à travers ce projet, nous souhaitons purifier l'air et le rendre plus agréable. Il a été convenu de planter des espèces régionales à racines nues, des arbres fruitiers, des plantes odorantes, des petites plantes à taille basse pour délimiter des chemins piétonniers. Nos plantations vont être mises sous bâche pour éviter que les mauvaises herbes repoussent. Là-dessus, nous allons mettre du broyage pour garder l'humidité, en sachant que nous avons des périodes de plus en plus sèches. Alors moi, je suis ambassadrice pour le projet de développement durable Empreinte et défi de Pôle Santé Travail, Métropole Nord. Ça consiste notamment à être un relais d'information au niveau des centres de Roubaix et Lers, notamment sur le zéro déchet, les gestes au quotidien à avoir pour limiter nos déchets. Ça passe aussi par la plantation des arbres qu'on fait aujourd'hui. Les arbres sont importants puisqu'ils participent à préserver et à développer la biodiversité. Ils peuvent ainsi permettre une adaptation, une atténuation aussi du changement climatique avec le captage par exemple du CO2 et puis aussi permettre la diminution des îlots de chaleur et puis aussi atténuer tout ce qui va être érosion des sols, ruissellement.